Et coucou les petits loups. Et ben voilà, c'est la dernière. Dimanche 12 septembre. Il fait un temps magnifique. Aujourd'hui, on se dirige vers Conques. On quitte la Golignac. Puis voilà, avec le beau soleil. Et puis ça va être sympa aujourd'hui. Il paraît que l'arrivée sur Conques est fabuleuse. Eh ben, on verra tout ça. Bonne journée les petits loups. Voilà, de nouveau, comme tous les matins, quand on quitte petit village, on commence par des petits faux plats montants en forêt. Ça met en jambe et puis ça prépare. S'il y a d'autres montées plus tard. Mais il fait super bon. Hein. On est toujours en t-shirt le matin. On n'a jamais mis les vestes. Et aujourd'hui, apparemment, il va faire très très chaud. Regardez comme c'est joli. Matin de bonheur comme ça. Alors, là, on a enfin quitté la route. Après Golignac, on a fait un petit peu de sous-bois à la sortie du village. Puis après, on a attaqué la route. On a fait 6 km sur de la route. Et là, on est à peu près entre le Soulier et Espérac. Là. On a enfin repris un petit sentier. Alors j'espère que ça va continuer un petit peu parce que... Voilà, oup, attention. Bonjour. Oh là. Si on va jusqu'à Conques comme ça, dans un quart d'heure, on y est. Ah, elles sont belles. Elles sont pleines de mouches. Eh ben dis donc, vous êtes curieuse, hein? Viens voir, 393. Hein? Voilà, belle petite campagne. Et on n'a toujours pas récupéré la route, donc tout va bien. Alors, là on est en train d'emprunter la dernière descente. Là-haut, un peu plus haut, il y a un panneau qui dit Conques 30 minutes. Bon, enfin, comme ça descend bien et qu'on est en fin d'étape, ben, on va mettre peut-être un peu plus de temps. Là, les pieds commencent à chauffer. Ça fait un petit moment qu'il chauffe d'ailleurs. Eh bien, coucou les petits loups. Eh bien, voilà. On est arrivé à Conques. Les 205 km entre le Puy-en-Velay et Conques, ben, c'est bouclé. Voilà, en 9 jours. On arrive, voilà, regardez comme c'est super joli. Alors, durant ces 9 jours, j'ai beaucoup râlé pour dire qu'il y avait beaucoup de béton, de route, ce qui est vrai. Il y avait aussi de beaux endroits qu'on a traversés, comme l'Aubrac, le plateau de l'Aubrac, tout ça, c'était fantastique. Et puis, de belles rencontres. De belles rencontres, Valérie, Saloua, Janine, Fabienne, voilà, le monsieur avec son parapluie, le monsieur qui venait du Canada, le beau jeune homme, Sidoine, Christiane, voilà, et puis tous les autres qu'on a rencontrés, et puis qui ont fait que ce chemin a été
un grand plaisir. Un grand plaisir. Tout là-bas dans le fond, vous avez Béa. Coucou Béa. Alors, je sais pas si j'arrive. Voilà, donc, coucou Béa. Voilà. On est crevé, mais on est contente d'être arrivé. Ben voilà. J'espère que toutes mes petites vidéos serviront. En tous les cas, j'ai essayé d'être le plus proche de la réalité, enfin de me ressentir en tous les cas. Et ben voilà. Clap de fin, c'est terminé. Et demain matin, quand on va faire le sac, ça sera pour rentrer à la maison. Et puis pour cheminer. Voilà, ça va manquer. Mais c'est pas le dernier bout de Compostelle. Il y en aura d'autres. Quand je sais pas, mais il y en aura d'autres. Ciao les petits loups.